Je perds ma tête à chaque fois que je regarde toutes nos photos. Un daron exemplaire qui était presque mon poteau en 16 ans. Je t'explique toutes mes souffrances, j'aimerais te crier ma peine, mais ici je t'entends que le silence, c'est papa. Tes conseils, je les oublie pas. La daronne n'a plus sommeil, ta mort nous traumatisa. Hey papa, Hamdaoui des premières bases, peu importe du reggae là, je garderai toujours ce blaze et j'y suis ta mort. Et oui, 24 heures après, c'est tonton qui me l'a dit. Bah oui, je suis tombé par terre. Tata Jamila revenait de l'hôpital, elle m'a pris dans ses bras, mais moi je ne comprenais pas. Elle m'a dit dans l'oreille, surveille ta maman. Le daron est parti mais reviendra, Inch'Allah. Des paroles très puissantes alors que j'avais que 12 ans. Tes souvenirs me hantent, tu plus le même depuis 7 ans. La vie est dure mais on est là. Mais c'est pour toi qu'on reste droit. Sèche mes larmes, s'il te plaît pour moi. La vie est dure mais on est là. 1953, le bon Dieu te créa. Immigrant d'Algérie, pour moi la fierté de l'État. T'as grandi dans un trou très dur au bled pour faire des sous. T'as dû faire l'armée à même pas 17 ans. Un soldat algérien qui a vécu ça pendant 7 ans. 1993, ton mariage avec maman sans cette union. Je serais peut-être pas vivant. L'amour fou entre vous deux, peu importe les problèmes d'argent. Une maman si pieuse, à cette époque vivait sous les ponts. Sans domicile fixe, vous viviez dans les métros. Le papa, un grand fumeur qui ramassait tous les mégots. Grâce à ton courage, vous avez trouvé un appart à Aulnay-sous-Bois. Je respecterai toujours vos choix. Des 2009, années tragiques, maman avait lâché l'affaire. Depuis que le médecin a dit que t'avais attrapé le cancer. La famille sous le choc, je ne voyais toujours pas net. La vie est dure mais on est là. Maman te disait de stopper toutes ces cigarettes. De août 2010, visite chez le médecin. Entre la vie et la mort, on sera tous ton destin. Le docteur faisait trop de plaisanteries, mais depuis tout ce temps, il l'avait pressenti. Monsieur Hamdaoui, vous n'avez plus que 2 mois à vivre. Allez en Algérie, rendez visite à votre famille. 2 mois plus tard, le cancer t'avait tué. Je me rappellerai toute ma vie des derniers mots que tu me disais. Alhamdoulilah, ta shahed avant de mourir. T'as fait des pieds et des mains pour qu'on ait une vie magique. Je grandis sans toi, sans repère depuis des mois. Je pleure dans ma chambre en espérant que tu viennes à moi. Maintenant repose en paix, on rêve tous d'une longue vie. Je sais que tu ne l'as pas eu mais on se verra au paradis. On se verra au paradis, Inch'Allah.